Ok. On a cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. On a un style enfant et un style parent. Les deux sous-titres utilisent le style enfant. Le titre de premier niveau utilise le style parent. Alors, que se passe-t-il si je change la police dans le style de premier niveau? Mais vous avez deviné que ça va aussi modifier la police de caractère dans les styles de second niveau. On essaye, on double-clique sur titre de premier niveau. On va dans format de caractère de base et on va changer la police. Et vous devriez remarquer que ça modifie aussi les sous-titres. Voilà. C'est comme ça que ça marche. On arrive à modifier les sous-titres parce qu'ils sont dépendants et ce sont les enfants du titre de premier niveau. Autre chose, toujours en n'ayant rien sélectionné, et donc vous avez compris que ça le fait sur toutes les pages en fait, hein. Bon, bien sûr, les autres pages, je n'ai pas encore de sous-titres, mais ce qu'on fait là, c'est valable pour tout le document, pas seulement pour la page que je suis en train de regarder. J'aurai des centaines de pages, je suis en train de modifier le look du document sur des centaines de pages. Intéressant ça. Alors, je double-clique sur titre de premier niveau. Je vais changer cette fois-ci la couleur des caractères. Je vais faire passer en vert au lieu de rouge. Et voilà. Les sous-titres ont également subi cette modification de couleur. Donc j'ai modifié pourtant le style de premier niveau. Mais comme le style de second niveau est dépendant de celui de premier niveau, d'après, eh bien, il a subi le changement de couleur aussi. Bon, ben maintenant, si je travaille sur le style de second niveau, les titres de second niveau, alors je vous montre ici, je double-clique, je change la couleur. Je vais dire, tiens, eux, ils vont être en bleu au lieu de vert. Ben, ils deviennent bleus. Par contre, le titre de premier niveau ne subit pas le changement parce que c'est le parent et ce n'est pas parce que les enfants ont décidé d'être bleus que le parent doit devenir aussi bleu. C'est le principe, c'est une hiérarchie. Ah, bonne question. Je vois qu'il y a des gens qui suivent. Tu voudrais faire en sorte que, à nouveau, le titre de second niveau. C'est le principe en fait. Maintenant, en effet, si je modifie maintenant la couleur du titre de premier niveau, je le mets en noir par exemple, voilà, ben ça ne modifie plus ce de second niveau. C'est ça le principe. Donc le principe, c'est que oui, tout ce qui a été modifié spécifiquement au niveau des enfants ne peut plus l'être par le parent. Donc les enfants n'influencent pas le parent, mais le parent, sur ce point-là, ne peut plus influencer les enfants. Voilà, ils sont émancipés. Exactement. Par contre, le caractère, si je modifie le caractère du titre de premier niveau, étant donné que les enfants ont toujours le même style de caractère, ben là, ça continue à changer. Voilà. D'accord? La dimension du caractère. Ben non. La dimension du caractère sur le titre premier niveau ne peut pas influencer les enfants, puisque depuis le départ, de toute façon, eux, ils ont une taille de caractère différente.